1900 mètres de natation en eau libre, 90 km de vélo, 21,1 km de course à pied. Donc une très très grosse épreuve pour moi. C'est officiel, je m'élance sur l'Alpha Ironman des Sables d'Olonne le 30 juin 2024. Donc qu'est-ce qu'un Alpha Ironman? C'est trois épreuves, 1900 mètres de natation en eau libre, 90 km de vélo, 21,1 km de course à pied. Donc une très très grosse épreuve pour moi. J'ai la chance de m'être fait offrir le dossard en fait par l'organisation Ironman. Donc c'était un projet qui m'a été proposé en janvier 2023 et où j'avais dit non pour 2023 parce que j'avais pas le niveau, j'étais pas prête du tout. Donc de base, ma saison 2023 devait être une saison de préparation à ce gros objectif du coup que j'avais reporté à 2024. Si tu me suis sur les réseaux, tu sais que cette saison 2023 a été très compliquée et qu'elle n'a pas du tout été à la hauteur de mes espérances. Elle était censée me rassurer sur un certain nombre d'éléments et ce n'a pas été le cas. Donc d'éléments aussi bien physiques que mentaux. J'ai pas du tout atteint les objectifs que je m'étais fixés. Donc je ne suis pas forcément dans l'état d'esprit le plus serein qui soit. C'est pour ça que la prépa actuelle est d'autant plus importante parce que il est absolument hors de question que je ne réussisse pas cette course, que je ne franchisse pas la ligne d'arrivée. Parce que moi, voilà, c'est mon objectif ultime. Je mange, je vis, je dors, je m'entraîne Alpha Ironman parce que voilà, c'est un peu une course qui me fait énormément rêver. Je sais la chance que j'ai de qu'on m'ait offert le dossard. Donc voilà, c'est absolument hors de question que je ne rende pas au centuple la chance que l'on m'offre. Donc j'ai mis en place tout un tas de choses actuellement, et même depuis septembre, de façon à préparer cette course. Et donc ça va être le but de cette vidéo. Je vais partager avec toi tout ce que j'ai mis en place dans le cadre de ma préparation pour l'Alpha Ironman des Sables d'Olonne. Donc dans un premier temps, l'entraînement. Forcément, mon entraînement a connu des modifications. Avec mon coach, on sait depuis du coup février 2023 que je vais faire un triathlon L, donc un Alpha Ironman en 2024. On le savait voilà, depuis 2023. On ne savait pas encore quelle épreuve parce que j'avais différentes options. Moi, c'est vrai que j'avais mon épreuve de rêve, à savoir les Sables d'Olonne. Mais voilà, enfin. Je savais qu'on allait m'offrir le dossard, mais j'allais pas trop chipoter en fonction de la destination. Même si j'avoue que quand on a commencé à me parler de Nice, j'ai eu très peur. Parce que c'est quand même l'épreuve, voilà, l'Alpha Ironman avec la partie vélo la plus difficile sur tout le territoire français. Donc j'ai eu très très peur quand on m'a dit Nice, non, donc j'ai pu avoir les sables. Mais voilà, on sait depuis 2023 que je vais faire un Alpha Ironman et donc 2023 était, comme je le disais dans l'introduction, un peu une préparation qui s'est assez mal passée. Bref, depuis, donc en fait, on a un peu tiré toutes les erreurs, voilà, toutes les leçons des erreurs que j'ai pu commettre pendant, voilà, en 2023, aussi bien du côté de la prépa mentale que du renfo, que de la prépa physique, que de l'alimentation, voilà, de toutes les erreurs que j'ai pu commettre de façon à repartir sur de bonnes bases parce que j'en étais arrivée à un point où je prenais le départ d'une course avec la boule au ventre, les genoux qui tremblaient et à me dire non mais qu'est-ce qui va encore m'arriver sur cette course pour que je ne puisse pas finir. J'en étais à prier tous les dieux, moi qui ne suis pas croyante, d'être capable de finir ma course, ce qui n'est juste pas acceptable. Et donc j'avais des très 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 gros stress et forcément j'étais pas dans les bons états d'esprit aussi bien à l'entraînement pour préparer ces courses que pendant les courses parce que d'office je partais des vésistes en me disant qu'il allait m'arriver quelque chose et que j'allais pas être capable de finir ma course. Et là voilà c'était juste plus possible et donc le semi d'Amsterdam. Mi-octobre, suivi des 10 km de la Runny Lyon, ont permis un petit peu de casser cette dynamique d'état d'esprit un petit peu douteux, de façon à repartir sur une bonne base et me dire, meuf, tu vois, tu peux le faire quand tu y crois. Donc, on a tiré vraiment des leçons de tout ce qui s'était passé, de façon à adapter mon entraînement. Donc, depuis septembre, donc de 2023, on augmente progressivement avec mon coach, donc Experience Training, le volume de mon volume hebdomadaire d'entraînement.
J'en étais arrivée à mi-janvier, juste avant mon départ en vacances en Martinique, à 12 heures d'entraînement. Donc avec trois sorties en course à pied, deux séances de home trainer, sachant que j'ai également changé mon home trainer pour en avoir un qui soit connecté et donc des entraînements home trainer qui soient beaucoup plus intenses et mieux adaptés à ce que je prépare. Du renfo, voilà, ma résolution c'était vraiment d'être beaucoup plus régulière sur le renfo parce que c'est ce qui m'a manqué pour bien finir mes courses. Voilà, donc on a mis en place tout un tas de choses pour faire progresser, me faire progresser, aussi bien en termes de, voilà, de vitesse, de capacité à encaisser les entraînements intenses, de capacité à encaisser un gros volume d'entraînement. Donc la semaine précédente, mes vacances en Martinique, ben, j'avais eu une semaine à 12-13 heures d'entraînement, ce qui est un gros volume pour moi. Et on était censé continuer à augmenter petit à petit au cours des semaines pour que je sois capable, voilà, d'encaisser la prépa nécessaire à ben, la préparation d'un Alpha Ironman comme Sud des Sables. Petit souci, je me suis blessée en Martinique. Je me suis blessée en Martinique, je me suis fait une déchirure du mollet. Qui m'a fait flipper, clairement, parce que c'était une déchirure musculaire de stade 3. Donc, pour les non-initiés, ça va de 0 à 4, 0 étant 0-1 étant les déchirures les moins graves, 4 étant une rupture totale, nécessitant bah, le passage sur la table d'opération. Donc, moi j'étais à 3 avec un truc pas petit, et les premiers mots des médecins et donc le médecin généraliste et celui qui m'a fait l'échographie, c'est que ben, j'en avais pour 12 semaines d'arrêt total. Donc autant dire que je me suis pris un très très gros coup de massue à mon retour là, début février. Et voilà, j'ai une grosse grosse frustration parce que j'étais coupée en plein élan. Les raisons de cette déchirure, on ne sait pas trop parce que c'est quand même arrivé 10 jours. Voilà, j'étais en période de repos, on va dire, pour encaisser tout ce que j'avais fait entre décembre et février en repos. Donc voilà, j'étais en Martinique et ça a pété à un moment où je faisais la con, la plage. J'étais pas en train de m'entraîner. Je suis sortie en courant de l'eau et en fait, je courais un peu en bondissant, en faisant des petits bonds. Et quand j'ai mis le pied au sol, j'ai le mollet qui a lâché. Voilà, donc très très grosse frustration pour moi à cause de cette déchirure qui remet un petit peu en cause tout ce qu'on avait prévu pour ma prépa. Donc j'avais notamment quatre courses préparatoires. 17 février, je devais participer aux 10 km de Saint-Priest pour voir voilà, mon évolution sur 10K après la Running Lyon d'octobre 2023. Sauf que bon, mais forcément, 2 semaines après ma déchirure, j'ai même pas tenté la course. J'étais censée faire fin avril le triathlon M de Cannes. Là, je pense qu'on va le faire sauter parce que c'est beaucoup trop tôt par rapport à ma reprise actuelle de la course à pied. On avait également prévu une cyclo-sportive à Thonon-les-Bains, mi-mai, qui faisait 90 km pour 1 700 de D+. Voilà, dans ces eaux-là. L'idée étant de me faire un gros vélo, vraiment une épreuve de vélo beaucoup plus dure que ce qui m'attendait au sable, de façon à me rassurer pour les sables, me dire, ben voilà, t'en es capable. Si t'es capable de faire 1 700 de D+, tu vas encaisser facilement les 600 qui t'attendent au sable. Et un second triathlon M, fin mai, début juin. Là, pour le moment, Cannes, je pense, bon, on a fait sauter Saint-Priest. Cannes, je ne sais pas trop parce que officiellement mon programme de reprise de la course à pied s'achève mi-avril. Mais est-ce que c'est raisonnable, voilà, après une déchirure musculaire, d'enchaîner directement sur un triathlon M 2 semaines après la fin de mon programme de reprise de course à pied? Je ne sais pas. Donc c'est quelque chose, va falloir que j'en parle avec mon kiné et mon coach. Mais bon, pour le moment, Cannes est en suspens, je ne suis pas sûre que ce soit raisonnable. La cyclo-sportive de Thonon-les-Bains, en fait, va dépendre de ce que je peux faire en vélo sur ce mois de mars. Voilà, si j'arrive à faire un bon mois de vélo, peut-être que ce sera envisageable. Parce que pour le moment, j'ai le droit de reprendre du vélo, mais de faire très très attention sur le D+, pour pas encore faire trop trop forcer sur mon mollet. Parce que j'ai très bien progressé, voilà, la cicatrisation est avancée, mais est-ce qu'elle est suffisamment avancée pour reprendre de l'intensité sur du D+, ce genre de choses? Je ne sais pas.
Et quoi qu'il en soit, mon second triathlon M, que je devais faire fin mai, début juin, normalement c'est bon. Voilà, celui-là je vais le faire. La question reste à savoir si je fais Vichy, Bourg-en-Bresse, Chantilly, voilà. J'essaye encore de savoir quel triathlon je vais faire, mais je sais que je vais en faire un, là il n'y a aucun problème. Donc pour en revenir à ma blessure, les choses évoluent très bien. Voilà, j'étais censée ne pas reprendre le sport 3 mois après ma blessure, donc février, mars, avril, donc reprendre début mai. Là, j'ai repris la course à pied, donc ça fait 10 jours maintenant. Je suis toujours sur une alternance d'une minute de course, une minute de marche, mais je cours. Voilà, j'essaye de voir le bon côté des choses. Je ne suis pas clouée chez moi à ne rien faire. Je fais beaucoup de renfo grâce aux séances de kiné. Je nage, voilà, je nage beaucoup et j'ai repris la course à pied. Donc, même si j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon mois de février en termes d'entraînement, là, les choses reprennent leur cours et j'espère que début avril, je vais vraiment pouvoir reprendre une vraie prépa encadrée par mon coach parce que là, pour le moment, les trois quarts sont quand même gérés par mon kiné. La bonne nouvelle, c'est que je fais beaucoup, beaucoup de renfo. Donc, je vais normalement arriver avec plus de muscles sur ma prépa et prendre cette habitude de faire plus de renfo parce que c'était mon défaut jusqu'à présent. Et c'était du coup la bonne résolution pour cette prépa, de me dire que je devais être beaucoup plus régulière sur le renfo. Là, je vais avoir 2 mois où je fais 3 séances par semaine. Je me tape des courbatures, de l'espace sur les jambes, sur tous les muscles des jambes. Donc, j'espère que, mine de rien, ça va porter ses fruits, en plus de m'aider à récupérer de ma déchirure, que ça va me faire des muscles pour la suite de la reprise en course à pied. La deuxième chose que vraiment j'ai mis en place pour pouvoir préparer sereinement donc cet Alpha Ironman, c'est de revoir toute mon organisation quotidienne de façon à avoir le temps de tout faire. Comme je l'ai dit, mon volume d'entraînement en janvier s'est élevé à 12-13 heures par semaine. Il va monter jusqu'à 15, voire 18 heures. Ça fait beaucoup, beaucoup. Sachant qu'à côté, ben, je suis entrepreneur, donc je suis freelance à mon compte. Donc certes, j'ai la main libre sur mon emploi du temps, mais je bosse beaucoup plus que 35 heures. Du coup, je dois être capable de jongler entre ma vie d'entrepreneur et mes entraînements sportifs. C'est pas toujours évident. 2023, l'une des grosses erreurs que j'ai faites, c'est que j'avais tellement de projets entrepreneuriales, voilà, j'avais tellement de travail, j'avais du mal à lâcher et en fait, je m'oubliais totalement derrière le travail et je n'avais plus le temps de faire du sport parce que je commençais à 6h du matin, je finissais à 21h et entre-temps, dans la journée, ben, je n'avais pas bougé les fesses de derrière l'ordinateur et il y a 21h, t'as plus envie de sortir faire du sport, surtout en hiver. Donc là, voilà, ça a été le gros chamboulement là depuis que ben, on a acté ma participation à l'Alpha Ironman. Ça a été de revoir mon organisation quotidienne de façon à être capable de tout caser. Donc mon travail, voilà, toutes mes missions entrepreneuriales, mes rédactions d'articles, les créations de sites internet, la partie création de contenu pour les réseaux sociaux, les entraînements de sport et surtout, ben, l'intendance de l'appartement, la vie quotidienne, les courses, la préparation des repas. Et j'ai revu tout mon planning et ce qui fait que maintenant j'ai une organisation millimétrée. Tous les dimanches soirs ou lundi matin, donc dès l'instant où Pierre, mon coach, m'envoie mon planning de sport, je prépare mon programme de la semaine avec déjà tous mes rendez-vous clients en tant que freelance. Et en fait, je liste. D'un côté, les entraînements que j'ai à faire, de l'autre, le travail que je dois rendre. Je cale tout ça. Je cale mes entraînements, je cale mes blocs de travail, je cale tout ça. Et une fois que ça est calé, je cale la préparation des repas, je cale le. Voilà. En fait, tout ce que je peux anticiper, je l'anticipe parce que ça me permet de ne pas avoir à réfléchir et donc à ne pas perdre de temps ou d'énergie mentale à réfléchir sur des choses que j'aurais pu décider auparavant. Donc j'ai mon programme alimentaire qui est fait, j'ai mes courses qui sont faites et voilà, bête et méchant, je suis le planning que je me suis fixé, mes sacs sont prêts, je sais quand est-ce que je dois faire mes lessives, je sais quand est-ce que je dois faire, quand j'ai le temps de faire mon ménage, voilà. Vraiment, j'essaye de tout optimiser pour ne pas perdre de temps et ne pas avoir à réfléchir sur des choses qui n'ont pas à réfléchir. Steve Jobs,
Il s'habillait tous les jours de la même façon, de façon à ne pas avoir à réfléchir le matin, parce que ça lui enlevait de la charge mentale. Donc moi, c'est la même chose. Je ne suis pas Steve Jobs, hein. Quoique, peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire décoller mon entreprise et je serai l'équivalent de Steve Jobs. C'est beau de rêver. Mais voilà, j'essaye de m'enlever de la charge mentale sur tout ce que je peux. Voilà. Comme ça, j'ai pas à réfléchir. Et c'est beaucoup plus simple de trouver de la motivation, de la discipline quand ton emploi du temps est organisé de façon à ce que tout rentre facilement. Et moi, je m'organise du coup pour caler mes séances qui peuvent l'être la journée. Au moins, je vois le soleil quand il est là, parce qu'en ce moment, c'est un peu beaucoup de pluie, mais j'essaye vraiment d'organiser mon planning de façon à avoir mes entraînements durant la journée et d'avoir mes voilà et que ça se cale bien en fait avec mes rendez-vous clients. Donc c'est vraiment la priorité que je me suis donnée de façon à m'entraîner le jour pour avoir un peu de vitamine D, voir le soleil parce qu'il n'y a rien de plus déprimant que de passer ses journées enfermées à l'intérieur derrière un ordinateur et de ressortir le soir s'entraîner de nuit. Alors que si je m'étais organisée autrement, j'aurais pu aller m'entraîner 2 jours. Donc c'est vraiment la grosse, voilà, le gros bouleversement que je me suis fait du côté de mon organisation, m'entraîner 2 jours, préparer en amont tout mon planning de la semaine, en notant tout ce que j'ai à faire, que ce soit bah, du coup bah, le sport, mon travail de freelance, la création de contenu réseaux sociaux, blog, les repas, les courses, le ménage, les lessives. Et comme ça, en fait, tout est prêt en amont et je sais quel jour j'ai pas à réfléchir. Et vraiment, ça aide pour la discipline vis-à-vis des entraînements parce que tu n'as pas à te poser la question de qu'est-ce que tu dois faire ou pas. C'est prévu, t'y vas, point barre. Et surtout, l'un des gros bouleversements de mon organisation quotidienne, c'est que je me garde des moments de pure détente qui n'ont rien à voir avec mon travail. Donc la création de contenu, les réseaux sociaux, le blog et tout ça. Et le sport, l'entraînement et ma prépa pour l'Ironman, de façon à me laisser un peu une bulle d'air, une bulle d'oxygène au milieu de tout ça, parce que c'est quand même très prenant, c'est très fatigant physiquement, mentalement. Et donc avoir quelque chose d'autre à penser, ça fait du bien. Et donc moi, clairement, bah, c'est la danse. En septembre, j'ai commencé des cours de HIIT. Voilà, pour faire autre chose, c'était aussi parce que le HIIT me plaisait dans une démarche un petit peu body positive et de réappropriation de mon corps, mais aussi parce que j'avais envie de me faire des copines. Et donc le jeudi soir, c'est vraiment mon rendez-vous avec les copines où on rigole, Voilà, c'est un... Je sais même pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment un moment où... Ben, on lâche la pression, on vide les soupapes, on se relaxe. Donc j'ai mon cours tous les jeudis soirs et j'ai un workshop de 2-3 heures, voilà, une fois par mois. C'est mes moments où je relâche tout ça, je relâche la pression, je fais autre chose que du triathlon ou de la création de contenu, autre chose que travailler ou m'entraîner pour l'Alpha Ironman. Et du coup, ça fait du bien parce que ça permet de recharger les batteries physiques, mentales et d'être prête du coup à affronter la suite. Tout simplement. Donc vraiment, c'est dans mon organisation quotidienne, avant je m'oubliais et je ne me laissais pas de temps de récupération mentale, physique. J'étais toujours sous pression. J'étais toujours en train de courir après le temps pour être capable de tout faire. Donc là, le fait d'anticiper en amont mon planning et de me garder des moments de pure détente, donc mes cours de HIIT le jeudi soir, le workshop qui a lieu le samedi ou le dimanche une fois par mois, donc choisis auquel je participe, et éventuellement une soirée entre copines. Voilà, où on va danser toute la nuit, bah en fait c'est des choses auxquelles je me suis rendu compte que ça me manquait énormément par rapport à l'année dernière. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être capable d'en faire beaucoup plus dans la semaine, donc aussi bien en termes d'entraînement sportif que de travail en freelance, voilà, de rédaction, de ce genre de choses, alors que bah, je sors beaucoup plus et je m'accorde beaucoup plus de loisirs. On va maintenant passer au troisième point de ma prépa, voilà, de tout ce que j'ai mis en place pour préparer l'Alpha Ironman des Sables d'Olonne. Donc le troisième volet très important, c'est la préparation mentale. Donc j'ai un très gros défaut, c'est que j'ai un mental de chips sur les courses. Un rien, un contretemps, enfin vraiment une petite poussière dans la machine va suffire à ce que je m'effondre totalement sur une course.
J'ai pas énormément de mental, malheureusement, sur ces courses. Je manque de confiance en moi, je stresse énormément, j'angoisse. Ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, plus mes différents DNF, ont rajouté du coup du poids à toutes ces angoisses. Ce qui fait que, comme j'expliquais auparavant, voilà, 2022-2023, je suis arrivée sur mes courses avec les genoux qui tremblaient, avec la peur au ventre et avec tout, voilà, avec un esprit assez défaitiste, me disant mais qu'est-ce qui va encore m'arriver sur cette course pour que je ne la finisse pas? Et donc ça, c'est vraiment un état d'esprit que je ne veux plus avoir sur mes courses parce que en fait, je me coupe totalement mes moyens. Déjà que j'en ai pas énormément. Physiquement, on va pas se mentir, je suis courte physiquement, je le sais, j'ai pas un niveau exceptionnel et je peux pas me permettre d'avoir dans ma tête une petite voix qui me dit non mais tu vas pas y arriver, tu vas encore faire une connerie, il va encore se passer quelque chose qui va faire que tu ne seras pas capable de finir. Voilà, je ne peux pas me permettre d'avoir cette petite voix parce que je suis déjà en train de lutter contre mes jambes, je peux pas en plus lutter contre ma tête. J'ai besoin que ma tête soit capable de dire à mes jambes, fermez votre bouche. On avance, vous vous plaindrez une fois qu'on aura franchi la ligne d'arrivée, plus ou moins. Et donc vraiment, voilà, il est absolument hors de question que je m'effondre au sable, voilà, vraiment. Donc, je fais un gros focus sur ma prépa mentale. Donc, avec les séances psy, parce que bon, pour ceux qui me suivent, je suis aussi suivie par une psy. Bon, en fait, j'ai pu me rendre compte que j'avais trop de dossiers à gérer en même temps, 2022-2023, et que je n'avais pas l'énergie mentale en fait pour être partout. Et que voilà, je me suis concentrée sur mon hyperphagie, sur mes crises d'angoisse, sur ma dépression, voilà, de sortir de tout ça. Et je n'avais pas forcément l'énergie mentale suffisante pour une prépa, pour avoir un état d'esprit de vainqueur sur le sport. Donc c'était un petit peu le parent pauvre parce que voilà, je ne pouvais pas être partout. Maintenant que ça va mieux, je peux redistribuer mon énergie mentale sur différentes choses et notamment la prépa mentale. Et je veux arriver avec cet esprit de guerrière, je veux le faire. Donc pour ça, voilà, j'ai mis en place aussi différentes petites choses. Ce qui m'aide énormément, donc voilà, c'est de m'assurer que ma prépa se passe bien. Donc l'organisation que j'ai mise en place, en fait, me permet de me rassurer parce que ben, en voyant que je suis capable de faire tous mes entraînements, d'arriver à gérer mon quotidien de façon à ce que voilà, toute la place soit libre pour préparer cet Alpha Ironman, ça me rassure. Ça me rassure énormément, physiquement, mentalement, parce que je vois que je progresse, je vois que je fais tout ce qu'il y a à faire. Je me suis également créé un environnement sain, porteur, voilà, pour être sereine dans le cadre de ma prépa. Donc déjà, je vais aller faire l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi les sables, outre le fait que la partie vélo est relativement simple, c'est que j'ai des copains qui y vont. Je ne vais pas être seule sur cette course et je me suis rendu compte que j'ai besoin d'être entourée sur une course, j'ai besoin de savoir que l'on m'attend à l'arrivée, que l'on va m'encourager. Voilà, que je ne suis pas seule. Simplement, voilà, que je ne suis pas seule et qu'il y a du monde derrière moi. Ça me rassure énormément, ça me fait du bien. Donc voilà, j'ai choisi cette course parce que j'ai des copains qui la font également. Et donc, ben, tout le temps de la prépa, on se soutient à distance parce que bon, les trois quarts n'habitent pas sur Lyon. Mais on se soutient à distance, on s'entraide. J'ai également Perrine, que vous avez déjà vu un petit peu sur les réseaux, qui est ma copine d'entraînement de natation, mais également de vélo, qui prépare pour la deuxième fois l'Alpha des Sables. Donc, elle sait les différentes difficultés qui m'attendent. Donc, on a beaucoup parlé de cette course. Et bah, typiquement, on s'est mis d'accord pour qu'elle m'accompagne sur mes séances courses. Du moment que cela n'empêche pas son propre entraînement. Parce qu'elle aussi, elle doit s'entraîner. Mais quand c'est compatible, elle est d'accord pour venir s'entraîner avec moi. Donc, me tirer sur bah, typiquement des séances de fractionnés qui me font peur. Voilà, pour qu'elle me tire et que j'arrive à aller jusqu'au bout de la séance. Parce que chaque victoire sur une séance de fractionné, c'est une petite brique de plus dans ma prépa mentale. Et mais également voilà, sur les sorties longues. Donc je vais m'entraîner avec Perrine, ça c'est des bonnes choses. Et j'ai également mis un certain nombre de limites voilà, avec les gens qui m'entourent. Donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Les oiseaux de mauvaise augure, voilà, tous ceux qui sont négatifs, qui m'apportent
De l'angoisse, des insécurités, ben je les tiens à distance. Donc ça peut être les gens qui viennent me dire, t'as pas peur pour les barrières horaires? Ah oh, mais franchement, si c'était toi, le ferais pas. Voilà, tous les oiseaux de mauvaise augure, je les veux pas. Et j'avoue que je vais verrouiller de plus en plus tout ça à mesure que la date s'avance, parce que j'ai pas envie qu'on vienne me dire, et t'as pas peur de ça, et t'as pas peur de ci. Non. Enfin, j'ai déjà suffisamment peur, me rajoutez pas en fait vos propres angoisses, vos propres peurs. Donc clairement, alors on pourra peut-être dire sur les réseaux que j'ai pris le melon, mais à la limite c'est pas grave, parce que si ça me fait du bien, c'est l'essentiel. Mais oui, il y a certaines choses que je ne vais pas accepter sur les réseaux et j'aurai le blocage très très facile. Voilà, donc clairement... Toutes les personnes qui me rajouteront d'une manière ou d'une autre des sources d'angoisse, de l'inquiétude, des remarques négatives, voilà, non, non, j'en veux pas, j'en veux pas, restez loin de moi. Voilà, ça c'est des choses sur l'environnement. À côté de ça, je travaille actuellement un petit peu vraiment à cette à cette préparation mentale, donc je me fais des exercices de visualisation. Donc ça, je le, enfin, en tout cas, je le faisais avant à chaque entraînement qui me faisait peur. Là, les entraînements me font plus peur vu que je suis blessée, que je suis en reprise. Mais voilà, faire des exercices de visualisation pour me dire que je suis capable de le faire, que je peux le faire, et qu'il faut que j'arrête de me dire que non, je peux pas, je suis trop courte, que je cours pas assez vite, que je tiens pas et tout ça. Donc de gros gros exercices de visualisation. Donc je réfléchis à ma course, j'essaye vraiment de visualiser chaque étape parce que je me suis rendu compte que ça m'aidait énormément. Ma mère m'avait accompagnée sur le marathon en 2017 où on avait fait un exercice de visualisation. J'avais couru sur un petit nuage. À Amsterdam, on a de nouveau refait des exercices de visualisation qui m'ont fait énormément de bien. Donc là, ben, je garde cette petite clé magique qui m'aide énormément, même si c'est pas forcément suffisant. Voilà. L'autre chose sur laquelle il va falloir que je travaille, c'est la gestion du stress parce que je me saborde totalement à cause du stress, donc voilà. Là pour le moment, je bosse assez seule ou en utilisant un petit peu des vidéos YouTube, ce genre de choses. Je verrai en mai-juin si j'ai besoin d'aller plus loin et de prendre rendez-vous avec un préparateur mental ou une sophrologue, voilà, pour finir de travailler tout ça et vraiment aller avec un état d'esprit de vainqueur, prête à tout déchirer et à faire des fuck mentaux à certains abrutis. Voilà, parce que j'ai besoin voilà, d'avoir ce mental de vainqueur pour aller jusqu'au bout. S'entraîner, c'est bien. Organiser ses semaines pour en faire beaucoup, c'est bien. Travailler son mental, c'est bien. Optimiser sa récupération, c'est mieux parce que... Parce qu'une personne fatiguée, une Margot fatiguée, bah, c'est une Margot qui se blesse, qui n'est pas capable d'aller au bout de ses entraînements. Donc clairement, la récupération va être est un gros sujet pour moi dans le cadre de cette prépa pour l'Alpe des Sables. Parce que pour pouvoir simplement encaisser un gros volume d'entraînement, il faut que je sois capable de bien récupérer, de bien dormir, de bien manger pour être au top de ma forme et arriver en fait à construire une condition physique qui me rendra apte à courir, voilà, les sables d'Olonne. Et surtout à ne pas me re-blesser parce que la grosse grosse problématique, c'est certes de guérir ma déchirure musculaire, mais de faire en sorte de ne pas me refaire une autre déchirure musculaire ou une autre blessure en avril, en mai ou en juin. Voilà, parce que là, pour le coup, la course me passerait totalement sous le nez et j'aurais vraiment les boules. Donc, dans le cas de la récupération, la première chose simple, c'est bien dormir. Je fais attention à avoir un sommeil de qualité. Donc, en fait, pour faire suivre à l'organisation de mes journées, maintenant, j'éteins tous les écrans à 21h30. Donc, que ce soit le téléphone, l'ordinateur ou même en fait j'ai que ça comme écran. Donc les téléphones, ordinateurs, j'éteins tout et je lis. Je me mets dans mon lit et je lis pour voilà, une petite heure, histoire de calmer le cerveau et d'être capable de m'endormir entre 22h30 et 23h. Parce que moi je suis une mamie qui a besoin de se coucher, d'aller se coucher et de s'endormir avant 23h, parce que sinon le lendemain elle est fatiguée. Voilà.
Et bon, il y a aussi le fait que je sois en freelance, donc je peux moduler mon emploi du temps et quand j'en ressens le besoin, j'instaure des temps de sieste. Voilà, c'est le bonheur d'être freelance, de pouvoir faire la sieste chez soi, j'avoue que c'est pas mal. Mais je fais très attention à avoir un sommeil de qualité et en quantité suffisante pour être capable en fait d'encaisser tout ça. Aussi, je fais très attention aux étirements parce que moi personnellement, voilà, ça fait 10 ans que je cours et je me rends compte que quand je ne m'étire pas, ben je cours moins bien ou voilà, j'ai pas forcément de bonnes sensations à l'entraînement. Donc, j'instaure voilà, une fois par semaine, je me fais une routine de 30-45 minutes d'étirement pour me faire du bien un petit peu à tout mon corps. Donc, je travaille les étirements, la souplesse, la mobilité. Je me fais également des automassages. L'idée est vraiment de prendre soin de mon corps parce que je le mets à rude épreuve, donc il a besoin de relâcher la pression. Typiquement, je sais que j'ai les mollets qui contractent vite, que je peux avoir les hanches qui coincent quand j'ai le psoas qui se raccourcit. Pareil, j'ai les quadris aussi qui se contractent très facilement. Donc voilà, d'étirer tout ça, de me masser, parce que ça me permet en fait de mieux courir ensuite et d'avoir de meilleures sensations à l'entraînement. Je fais également très très attention à mon hydratation. Je bois entre 2 et 3 litres par jour. D'ailleurs, la déshydratation est probablement l'une des causes pour lesquelles j'ai fait ma déchirure musculaire en Martinique, parce qu'il faisait très chaud. Je buvais plus de rhum que d'eau. Chose à ne pas faire, hein? Donc d'ailleurs, en parlant d'alcool, je bois pas déjà des masses. J'ai bu suffisamment d'alcool en Martinique. Bon, c'est un contexte particulier, c'est les vacances. Je bois pas des masses en temps normal, mais clairement, mai-juin, je vais être en no alcool. Voilà, jusqu'à la course, il n'y aura pas d'alcool du tout entre mai et juin. Avril, bon, effectivement, s'il y a une sortie, potentiellement, mais. Étant donné que je bois une à deux fois par mois grand max, tu vois, c'est pas énorme. Mais cette une ou deux fois par mois sautera totalement en mai et en juin pour arriver la mieux hydratée possible. Parce que je suis sujette aux crampes. Donc il faut que je boive. Donc je fais très attention à boire entre 2 et 3 litres par jour. Idem, je fais attention à mon alimentation. Donc ça fait un moment déjà que je suis suivie par une diététicienne. Jusqu'à présent, la problématique était vraiment mes crises d'hyperphagie, voilà. Là, ça va beaucoup mieux. Donc maintenant, en fait, on a adapté mon plan d'entraînement de façon à ce que mes apports caloriques soient adaptés à mon volume d'entraînement. Parce que forcément, t'as pas forcément besoin de la même chose quand tu fais 3 heures d'entraînement par semaine et quand tu passes à 12, voire à 15. Donc on a revu tout ça. Et là, pour le moment, on a mis en stand-by, mais on avait déjà bien bossé sur ma nutrition pendant l'effort, ma stratégie de nutrition et d'hydratation. On va la remettre à l'épreuve pendant la prépa, et il y aura très certainement des ajustements à faire parce que je pars pour plus long que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, il y aura très certainement quelques petits ajustements à faire sur ma stratégie hydratation-nutrition pendant l'épreuve. Mais voilà, c'est quelque chose qui va se mettre en place un peu plus tard au fur et à mesure de ma prépa. Et maintenant, parlons du sujet qui fâche, mon poids. J'ai fait exprès de le garder pour la fin de cette vidéo parce que j'ai fait mon poids, de la perte de poids, un non-sujet sur les réseaux. Tellement ça me gave en fait de recevoir des conseils d'en solliciter, me disant oh, si j'étais toi, je ferais ça pour perdre du poids, alors que je ne parle pas du tout de perte de poids. Je fais pas de contenu perte de poids sur les réseaux, donc ça me gave en fait qu'on parle de mon poids. La grossophobie ambiante me gave aussi énormément. Enfin, les gars, calmez-vous, je fais un 42. Ce qui reste une énorme statistique pour les femmes françaises. Voilà, je ne supportais plus les remarques aussi totalement déplacées. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des questions qui ne se posent pas, qui devraient apprendre à fermer leur bouche sur certains sujets. Donc voilà, avec tout le sport que tu fais, tu perds pas de poids. Et ta gueule, fous-moi la paix. Bref, donc j'ai fait de mon poids un non-sujet sur les réseaux,
Sauf que ne pas en parler dans le cadre de ma prépa pour l'Alpha Ironman, ce serait quand même passer à côté d'un élément très important, puisque voilà, je compte perdre du poids. Voilà, c'est simple, faire du sport en surpoids, c'est se rajouter une difficulté. Parce que tu dois dépenser plus d'énergie pour bouger une masse inutile. Voilà, tu as une masse, un truc à porter. Voilà, imagine courir avec un pack d'eau dans chaque main. Voilà, c'est crevant. Voilà, c'est le problème que je rencontre actuellement. Je le rencontre sur le vélo, je le rencontre sur la course à pied. Je porte du poids inutile, ça me fatigue, ça tape dans le cardio. Donc là, l'idée, ce serait d'arriver à descendre autour des 65 kilos le jour de l'épreuve, bah, pour me faciliter en fait tout simplement ma pratique sportive. Jusqu'à présent, avec ma diététicienne, même si ça peut paraître contre-intuitif, la perte de poids n'était pas ma priorité parce que je faisais des crises hyperphagiques. Voilà, donc en gros, ouais, une crise boulimique, mais sans te purger derrière. Pour faire ça de manière très, pour donner une définition très, très grossière, ces crises d'hyperphagie étaient principalement dues à de la restriction cognitive, c'est-à-dire que au quotidien, je ne mangeais pas suffisamment, je me restreignais en termes d'apport calorique, donc qui engendrait frustration et compagnie, et donc à la moindre contrariété émotionnelle, ça pétait. Donc là, maintenant que on a vraiment travaillé à changer mon rapport à l'alimentation, que j'ai pris de meilleures habitudes alimentaires et que mes crises d'hyperphagie sont sous contrôle, j'en ai pas fait depuis avril dernier, donc ça va bientôt faire un an, mais j'avoue que je ne dirais pas que je suis sortie des TCA avant un moment. Pour le moment, je ne me sens pas encore suffisamment solide pour dire que les TCA sont derrière moi, mais ça va beaucoup mieux. Et parce que ça va beaucoup mieux, on commence à introduire la perte de poids. Donc voilà, on va rajouter un petit déficit calorique à ce qu'on fait habituellement. Mais voilà, ça va rester un sujet annexe. J'en parle parce que c'est un élément, c'est un levier que j'active pour ma prépa. Mais voilà, je n'en dirai pas plus que ces quelques minutes dans cette vidéo. Parce qu'en finalement, ça me va bien de ne pas parler de ce que je mets en place concernant ma perte de poids, les difficultés que j'ai pu rencontrer. Ça m'a permis vraiment de me créer une bulle de sérénité. Et même si je réagis toujours vivement aux quelques abrutis qu'il y a des commentaires de merde, mais voilà, enfin, je t'en parle pour que tu sois au courant que je le mets en place. Parce que ce serait un petit peu hypocrite et mensonger de ma part de ne pas en parler parmi les choses que je mets en place. Je n'irai pas plus loin. Ce qui se passe dans mon assiette concerne ma diète, ma psy, mon coach et moi. Voilà. J'y reviendrai pas plus en détail. Mais voilà, ou peut-être un jour plus tard quand je me sentirai plus sereine, plus stable sur le sujet. Mais voilà, en tout cas, j'espère être capable de perdre du poids pour me faciliter mon effort, parce que chaque kilo de perdu, c'est l'énergie que je vais pouvoir distribuer ailleurs, utiliser autrement le jour de mon épreuve et pas juste apporter du poids inutile. Donc, on verra un petit peu où ça mène, même si théoriquement, je fais quand même tout ce qu'il faut pour perdre du poids d'ici là. Donc voilà, c'était tout ce que j'ai mis en place pour bien préparer cet Alpha Ironman des Sables-d'Olonne, qui, je le rappelle, est constitué de 1900 mètres de nage, 90 km de vélo, 21,1 km de course à pied. Donc je t'invite à me suivre sur Instagram et sur TikTok, où je vais documenter un petit peu ma préparation pour ce gros objectif. N'hésite pas à me laisser un commentaire et à me dire si jamais tu participes à cette épreuve. Je verrai si j'organise quelque chose les jours précédant l'épreuve. Peut-être pas la veille parce que je vais rentrer dans ma bulle, mais voilà, si je fais quelque chose. Si cette vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt!